Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Encore, c'est moi. Je viens vers vous pour vous parler d'un fait tragique qui s'est passé dans la Guinée forestière, la Guinée du Sud, précisément dans la préfecture de Zérékoré. Vous savez, quand je vous parle souvent de l'insécurité en Guinée, d'aucuns pensent que je suis en train d'exagérer au fait. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, je vais demander au colonel Mamadi Doumbouya et aux autorités compétentes d'augmenter le nombre de policiers par population en République de Guinée. Parce que nous avons peu de policiers, peu de gendarmes, surtout à l'intérieur du pays. Il faut faire un recrutement. Parce que des faits tragiques comme ça, normalement, ça ne doit pas avoir lieu en République de Guinée. Alors, mesdames et messieurs, je pense que vous allez vous concentrer pour écouter cette histoire qui vient de se passer récemment en Guinée forestière, il n'y a même pas une semaine. Et dû à l'insécurité, dû à l'inattention de la famille. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Doman Loi. Doman Loi en Guinée forestière, un jeune homme d'une trentaine d'années, marié, qui a deux enfants. Et qui vit dans la grande famille, comme vous savez, chez nous en Afrique, son père étant paralysé. Alors, ce monsieur, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais je vais aller droit au but, je ne vais pas passer par la langue du bois. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait, ce jeune homme? Il séduit la petite femme de sa femme, de son père. Il séduit la femme, il va jusqu'à faire des avances à la jeune femme de son père. La jeune dame refuse. Et déclare cette situation dans la famille, on fait une assise, le jeune est convoqué, il est humilié. Ben, se sentant humilié, il n'a pas voulu s'arrêter là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il continue toujours ses avances, il continue de draguer la jeune femme de son père. Chez nous, on appelle ça marâtre. Normalement, c'est ça marâtre. Et vu que la femme n'accepte pas, la femme repoussait chaque fois ses avances, le jeune s'est métamorphosé en un félin. Et alors, un beau matin, la dame et ses camarades, ses copines sont allées au champ. Et elles ont passé toute la journée à travailler. Vers les 19h, 19h, 17h, 18h, 19h, les autres ont demandé à ce qu'elles entrent au village. Donc, la jeune dame en question n'avait pas fini d'abord sa tâche. Donc, les autres ont décidé de rentrer et qu'elle va les rejoindre plus tard. Donc, dans les bandes de 19h, 19h fort, ce jeune homme qui s'appelle Doman Loi, n'est-ce pas, s'était caché dans la brousse en attendant la dame. Et juste que la dame ait fini sa tâche, qu'elle s'apprêtait à entrer au village, le jeune homme sort tout simplement. Il vient encore faire des avances à la jeune dame. La jeune dame refuse. Il se jette sur la femme. La femme le repousse et la femme court. Mais aussitôt, il rattrape la femme. Doman Loi rattrape la femme. Et ce qui va suivre, franchement, est dramatique. Est tragique. C'est sincèrement inhumain. C'est de l'animosité totale. Il viole la femme, sa marâtre, la jeune femme de son père, la petite femme de son père. Chez nous, on appelle marâtre. Il viole cette femme-là. Puis, il l'assassine. Il l'emballe dans un sac. Il va enterrer le corps. Et dans la précipitation, il oublie sa casquette-là. Alors, il entre. Après avoir accompli sa sale besogne, il entre au village. On cherche la femme, la jeune femme un peu partout, on ne la retrouve pas. Du coup, la population a décidé de sortir au lendemain. Ils ont cherché la jeune femme un peu partout, ne la trouvant pas, ben on est allé au champ. On est allé au champ, on a cherché un peu partout. Et le même inconscient, le même animal, Doman Loi, était dans la foule pour la recherche de sa victime. Celle que lui-même avait tuée et enterrée. Et les jeunes du village, ils ont découvert la tombe. Tombe que Doman Loi a fait. Ils ont découvert la tombe, ils ont déterré le corps de la jeune dame. Et là, sur le lieu,
Il découvre quoi? Il découvre la casquette de Domanloa. Et là, tout de suite, tous les regards sont figés sur lui. On le regarde et puis il fuit. On le rattrape directement, il avoue le crime. Les villageois, sachant très bien qu'il y a une autorité en place là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont amener le jeune homme à la sous-préfecture. Bien évidemment, avant de finir les obsèques de la dame. De la sous-préfecture, les gens ont voulu transférer. Paraît-il que le sous-préfet, la gendarmerie de là-bas, le commissariat, le commissaire a voulu transférer le dossier à Zérékouré, ce qui n'a pas été le goût de tout le monde. Alors, les gens sont venus pour essayer de lyncher le monsieur Domanloa. Ils ont saccagé la sous-préfecture, ils ont saccagé la gendarmerie. Et puis, finalement, les gendarmes ont repoussé la population. Ils ont transféré le jeune homme dans la maison centrale de Zérékouré. Actuellement, il est là-bas. C'est une histoire horrible, dégoûtante. Mais c'est une réalité. Domanloa a violé sa marâtre, l'a assassiné et l'a enterré. Oui, la jeune femme de son père. Alors, moi, monsieur le colonel, président de la transition, les nouvelles autorités guinéennes, vous savez qu'il y a peu de policiers en République de Guinée. Le nombre de policiers par population, elle est minime. Le nombre de gendarmes par population, elle est minime. Il est minime du moins ça. Alors, nous vous demandons tout simplement d'augmenter l'effectif de la police et de les équiper afin qu'ils puissent intervenir à temps et à la demande de la population. C'est très important. Je sais aussi que c'est dû à beaucoup de facteurs. La mobilité, l'infrastructure routière, mais que cela ne tienne, qu'on ait beaucoup plus de policiers. Ce criminel, pareil, il y en a tellement en Guinée. Cet assassin, pareil, il y en a tellement en Guinée. Ceux qui abusent des enfants, ceux qui violent des enfants, ce qui est devenu, monnaie courante en République de Guinée. Il y a des enfants qui prennent leur courage, qui avouent. Il y a des parents qui prennent leur courage, qui avouent. Mais les enfants qui restent bouche bée, les parents qui restent bouche bée, des situations qui sont réglées à l'amiable, normalement, ça ne devrait pas se régler à l'amiable parce que ces assassins-là, ils vont continuer à circuler. Ils vont continuer à commettre encore d'autres actes. Donc, sincèrement, j'interpelle surtout l'autorité guinéenne. Pour la nouvelle constitution, il faut que la loi soit ferme sur ce type de situation. Vous partagerez au maximum cette émission, comme toujours et comme d'habitude, et pour ne pas que ça se reproduise maintenant. Il est aujourd'hui en prison, mais est-ce que la prison va ramener? Est-ce que la prison pourra remettre l'âme dans le corps de cette jeune dame qui a été assassinée? Non. Elle est partie pour tout bon. Et le criminel, il est aujourd'hui à la maison centrale. Il bouffe, il dort. Mais malheureusement, c'est comme ça. L'histoire, elle est tragique. Ça s'est passé à Zérékouré. En Guinée, Guinée qu'on a créée effectivement. Notre Guinée, notre nation. Sincèrement, je vous prie tout simplement de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles, WhatsApp, Messenger, afin d'interpeller les nouvelles autorités pour qu'elles désormais, cela n'arrive plus, pour qu'elles désormais, cette autorité prenne ses responsabilités et pour qu'on renforce la sécurité en République de Guinée. Sur ce, je vous dis tout simplement bonne journée et bon boulot et à ce soir, Inch'Allah.